Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés et qu'on ne s'est pas parlé. Je vous ai laissé un peu de temps pour mieux apprendre les sons. Voilà, la dernière fois, qui m'a le son wa, le son ou, d'accord, le son e, le son e, le son e. Voilà, inchallah, كامل تكونوا تعلمتوهم دوكا. وراكو ديروا لا ليكتور ما تنساوش لا ليكتور باسكو حنا كامل نحبوا لا ليكتور داكور دونك اليوم راح نديروا ان اوتر سون واسمو لو سون اون اون كيفاش ننطقوا هذايا اون هذايا اون ننطقوا هكذايا نغلقوا الفم تاعنا ونتجبدو فيغ لافون يعني للقدام ونقولوا اون اون داكور كوم باغ اكزومبل لا مونتر La montre. D'accord? Alors venez avec moi, on va faire la lecture des syllabes. Voilà. Donc, le B et le on. Bon. Comme il est bon ce gâteau que maman a préparé. Le L et le on. Long. Cette fille a de longs cheveux. Le M et le on. C'est mon. Comme c'est mon cahier. Le N et le on, c'est non. Non, je ne veux pas partir au théâtre. Le S et le on, c'est son. C'est son casier. C'est son livre. Le T et le on, c'est ton. Ton, c'est ton papa. D'accord? Alors, on. No. 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 Où? Le P et le on, pont. Le J et le on, jon. Le F et le on, font. Le D et le on, don. Le V et le R, c'est vrai. Je rajoute le on, ça devient vron. Le T et le R, c'est tr. Je rajoute le on, ça devient tron. Le B et le L, c'est bleu. Je rajoute le on, ça devient blond. Le F et le R, c'est fra. Je rajoute le on, ça devient front. Le G et le R, c'est gra. Je rajoute le on, ça devient gron. Le Z et le ou, zou. Le T et le R, c'est tra. Je rajoute le ou, ça devient trou. D'accord? Donc voilà, on va faire la lecture des mots, les enfants. Alors, suivez bien avec moi, c'est très facile, il suffit juste de faire la lecture plusieurs fois. Oups, pardon, j'ai perdu la caméra, attendez. Voilà, c'était pour mieux... Pardon. Voilà, alors c'était pour zoomer mieux pour que vous ayez une bonne visibilité. Voilà. Allons-y. On va faire ensemble la lecture des mots. Le B et le on, c'est bon. Le B et le on, c'est bon. Bon, bon. Les enfants adorent les bonbons. Le halwa. Le B et le ou, c'est bou. Le T et le on, c'est ton. Bouton. J'ai perdu le bouton de mon tablier. Yani, ضيعت القفلة تاع التابلية تاعي تاع المئزر. Le voilà, nous les enfants ensemble. Donc, alors, on a dit gronder. Gronder, c'est kenarab. Je gronde mon fils parce qu'il a fait une bêtise. D'accord, je le gronde, ça veut dire kenarab. Le U et le N, c'est 1, comme le numéro 1. Crou, crou. Le C et le R, c'est cre. Je rajoute le OU, ça devient crou. Le T et le ON, c'est ton. Un, crouton. Crouton, c'est du pain dur. D'accord? Quand c'est le crouton, qui par exemple, on achète une baguette sur le khobza. Maintenant, on a les bords, on a les bousettes. Maintenant, par exemple, le crouton. Le crouton, c'est le khobza qui est dur. Le B et le OU, c'est bou. Le CH et le ON, c'est chon.
Le bouchon. Bouchon. Bouchon, c'est le bouchon. Voilà. La, ré, le R et le E, c'est ré. Le P et le on, c'est pont. Le S et le E, c'est ce. La, ré, pont, ce. La réponse, c'est l'ijaba. J'ai donné une bonne réponse. La. Le M et le on, c'est mon. Le T et le R, c'est tre. Je rajoute le E, ça devient tre. La, montre. Montre, c'est serre. 1. Le H, on a dit que c'est une lettre muette. Maintenant, H, et ri son. Hérisson. Hérisson, c'est un hayawan. C'est vrai, voilà, d'accord, un douche crème. La, fond. Terre. Le A et le I, on a dit E. Fontaine. Fontaine, c'est le fouwara. Mon. Mon. T. Mon. T. Mon. T. Je suis montée dans les escaliers. Ça termine éclate droch. D'accord, les enfants? Voilà pour la leçon d'aujourd'hui et pour le son on. J'espère que vous avez bien compris. J'espère surtout que vous avez appris quelques mots. Et vous avez enregistré quelques mots, n'hésitez pas à parler avec vos parents en français en utilisant ne serait-ce qu'un tout petit mot, d'accord? Les enfants, maintenant, le papa ou maman, le français ou bien. Et n'oubliez pas, je ne sais comment, déroule la lecture. La lecture, tout mal la lecture, tout mal la lecture. D'accord les enfants? Sur ce, je vous dis, je vous aime très très fort. Gros bisous. Au revoir.